Je tente de vous hypnotiser. Non, non, allez, j'arrête les conneries, c'est qui Schnifou? Comme d'hab, on se retrouve sur Super Mario Galaxy 2. Et je suis passé au monde suivant, c'est-à-dire le monde 5, avec tout plein de galaxies, des milliards et des milliards de galaxies. Allez, on arrête de faire les cons. Et c'est reparti donc pour l'aventure de cette découverte en fait de vidéo en vidéo de ce Super Mario Galaxy 2 qui me plaît beaucoup. En fait, j'avais fait le Super Mario Galaxy 1 et puis ben depuis que je me suis mis à faire des vidéos et que j'avais commencé celui-ci à peu près quand j'avais commencé les vidéos. Ça m'a aidé à commencer, de faire des petites vidéos comme ça. Et depuis, ben, ça me plaît bien d'en faire. Là, je dois en être à ma sixième, il me semble, ou septième, je sais même plus. Et petit à petit, on s'approche de la fin. Et mine de rien, on s'y approche, puisque là, on en est au monde 5, cinquième monde. C'est-à-dire l'avant-dernier, je me suis renseigné, oui, c'est l'avant-dernier. Donc je pense que nous allons faire un monde de celui-ci, puis dans une prochaine vidéo, et ben je pense que ce sera sûrement la dernière. Nous verrons ça. Je réserve la surprise. Allez, maintenant, on ne rigole plus. Un monde très lugubre. J'en suis au tout premier niveau là, hein. Je l'ai même pas fait, rien du tout. Son aspect m'attirait pas mal, me plaisait bien. Je pense qu'il peut être assez diversifié et différent à comparer de ce qu'on a l'habitude de faire. Donc on va bien voir ça ensemble. Hein. Allez, rejoindre cette galaxie, c'est parti. Allez, qu'est-ce qu'il va nous proposer cette fois? Il faut guider Bobomb. Ah. Il va falloir, je pense, frayer. Oh oui, d'accord. Oh là 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 là, je crois savoir ce que c'est. Vous voyez ce long chemin là? Eh ben, j'ai l'impression qu'en fait, un Bobomb. Enfin, un Bobomb. Pourquoi ils appellent ça un Bobomb? Oui, je sais. Pointer vers l'écran, oui. Ouais, en fait, non, non, en fait, j'ai confondu, je croyais que c'était plutôt une bilboule. Tiens, j'ai eu une vie, je savais même pas qu'il y en avait une derrière, moi. Allez, on s'accroche là. Et en fait, je croyais que tout au long du chemin, vu que les bilboules nous poursuivent, bah, je pensais qu'il allait falloir l'amener jusqu'au bout. À moins qu'il se soit gouré de nom et que c'est bien une bilboule, mais... Je sais pas, j'en doute quand même. Allez, hop. Donc si c'est ça, si c'est juste aller jusqu'au bout, le niveau en soi n'est pas grand, mais ça n'empêche pas qu'il soit long, hein. Ou pas, je ne sais pas, on va bien voir. En tout cas, j'aime bien, c'est marrant ça. Je suis bien content de vous le proposer, et je me demandais si ça allait être différent d'un niveau habituel. Et là, pour le moment, oui. Oui, ça me plaît bien ça. J'aime bien. Alors là, j'aurais pu aller à droite, mais là, j'ai vu qu'il y avait... Non, en fait, non, 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 j'aurais pu y aller. Donc là, j'y vais. Hop. Voilà. En plus, la musique, elle est répique, là. Ça fait vraiment, dernier niveau. Ah, c'est pas mal. Là, je vois une plaque. Là, je suis les fragments. Ça bouge tout seul, c'est parfait. Ouh, j'aurais dû y aller. Voilà. Parce que sinon, j'allais me faire avoir par le... Le fil électrique. Le filet électrifié, pour être précis. Bon, et là, je peux faire un saut de l'autre côté. Ça se tente, hein. Oh, 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 j'ai bien fait d'attendre. Ça, c'est un truc très important. Je pense que si... vous avez l'habitude de regarder mes petites vidéos de... Oh, non! De Mario... Ah, putain! De Mario Galaxy 2, vous savez ce que c'est. En fait, plus on en attrape, plus on a de chances de débloquer
les étoiles farceuses. Donc pour avoir d'autres étoiles concernant le jeu. Bon, là, je suppose qu'il faut trouver une ouverture afin de pouvoir entrer à l'intérieur. Et à l'intérieur, ici, je vois la bobombe. Effectivement, c'est bel et bien la bobombe qui vient de se casser la gueule. Magnifique. Voilà, et voilà, voilà. Elle va nous déter. Ah, d'accord, j'ai compris. Je croyais qu'en fait, il fallait descendre, mais non, 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 non. En fait, il faut la guider d'ici. Elle va nous détecter de là. Il va falloir la guider sur le chemin. Allez, viens là. Allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Continue. Ouh, elle a failli exploser avant, hein. Mais c'est bien, j'ai réussi. Ok, ça va, c'était simple. Mais enfin bon, je pense que ce sera peut-être pas la seule. Ah, je peux enfin sortir. Pour m'avoir aidé, tu as bien droit à une petite astuce. Tournoie pour étourdir un bobombe et ramasse-le, puis agite la Wiimote pour le lancer. D'accord. Oh putain, je t'étourdis, je te prends et je te lance, ça sert à rien. Parce que de toute manière, je dois partir. Et ça, je devrais sûrement le faire une autre fois. Oh, j'aime bien, c'est joli. Hein. Très très beau. Wow, 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 wow. Alors, eux, je crois qu'on peut pas les tuer, il faut les faire tomber. Il est pas tombé? Il a bugué là ou quoi? Merde. Ah oui, c'est vrai qu'il me touche pas. Enfin... ça me fait pas mal. Alors. Ok, il réapparaît à l'infini. Je pense que c'est simplement pour essayer de nous faire tomber dans les trous. On en a rien à faire. Ah ouais, j'aime bien. Hein. J'aime bien le violet utilisé là par terre. Très 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 joli, j'adore. Est-ce que ça va exploser? Oui, c'est bon. Ah, ça a une grande portée, ça va. C'est des petites merdes, mais ils me font bien chier quand même. Qu'est-ce qu'il y a par ici? Wow, 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 wow. Ok. Bon, j'ai pas l'impression qu'il faille se servir des bobombes. Enfin, la bobombe, c'était juste pour libérer la vie. Donc, pour le moment, ça va. Ah, faut que je fasse gaffe. Truc électrifié. Là, il va lancer. Hop. Là, il y a même des éclairs à ce que je vois. Hein. Ah, ouais, ça fait vraiment dernier monde. Hein. Bon, je... oh putain, il va me viser. Ouh. Bon, je sais que ça ne l'est, ce n'est pas le dernier monde, hein, mais c'est la même ambiance. Oh putain, il m'a eu quand même. Oh non, et je me suis rattrapé. Oh, mais ils me poursuivent. Oh, punaise. Eh ouais, mais c'est... qu'est-ce que vous voulez, hein? C'est plus de la rigolade, là. Hein? Là, on est dans le monde 5. L'avant-dernier monde... c'est un petit... oh, putain. C'est un petit peu normal, hein. Pas tout. Bon, heureusement, je regagne une vie à chaque fois. Mais bon, hein, je pense pas que je vais y passer toutes mes vies là-dedans non plus, quand même, hein. Allez, là, on va essayer de se dépêcher un petit peu, là. Hop, hop. Là, on y va avant, on est des fous. Yes. Mais je suis un fou. Non, non. Oh, putain. Je suis un fou quand même d'avoir tenté parce que... allez, on y va. Parce que si j'ai qu'à me faire avoir une fois et... ça fera le même scénario que tout à l'heure. Hein. Là, là, je suis dingue, là, je suis dingue. Allez, c'est pas grave, j'y vais à fond. Oh, putain, ça me poursuit. Oh, l'étoile, elle est là. Non! Non! Oh putain, j'ai réussi à me récupérer. Et l'étoile. Et ça y est, je l'ai eu. Oh là là! Ah ouais, c'était vraiment pas un niveau long. Ni difficile en fait. Mais alors sur la fin. Oh là 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 là. Il n'y avait pas tant de choses à ramasser que ça non plus. Pas tellement de fragments d'étoiles. Pas tellement de pièces. Regardez, voilà. Non, voilà, j'ai 29 médailles comètes. Voilà, j'ai eu... oh, si, quand même, 100 fragments, c'est pas mal. Et 4 pièces, voilà, ça veut tout dire. Mais bon, ah non, 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 c'est parce que je suis mort. Et quand on meurt, c'est vrai qu'on perd nos pièces, pas nos fragments. En parlant de pièces, je me suis renseigné aussi sur ça.
Là, j'en ai 1961, et à ce qui paraît, dès qu'on en a 9999, on débloque quelque chose. Apparemment. Voilà. C'est une petite astuce, si vous avez le jeu et que vous ne savez pas. Oula, ils se débloquent tous d'un coup et tout. Waouh! Mais ce Mario peut maintenant voyager plus loin. Et voilà, si vous l'avez, comme ça, vous le savez. Alors, s'il y a une deuxième étoile, je vais la faire dans la foulée. Est-ce qu'il y en a une? Oui, voilà. Bon, bah, on va la faire dans la foulée. Hein. Allez, hop. Déjà qu'il n'était pas bien long, donc là, on peut se permettre de continuer. Là, ça va être un petit défi. Généralement, j'aime bien les deuxièmes étoiles. C'est un peu mieux. Même si celui-ci... En fait, d'habitude, je reprochais au premier niveau d'être un peu trop monotone, qu'il se passe pas grand-chose et que ce soit un peu long. Et du coup, capturer ça en vidéo, je trouvais ça pas génial. Mais du coup, celui-là, il était pas mal. Pas trop long et rythmé. Et celui-ci, normalement, ben, c'est un défi qui est normalement court et qui est difficile, rythmé. Donc, en fait, ça va bien aller. Allez, la tour du tourne-tour. Pas mal de petits jeux de mots comme ça, c'est sympa aussi. Voilà, donc je pense que le niveau se déroulera seulement ici. Hein. Et voilà, je pense qu'il va, il va falloir la monter. Cela va de soi. On commence là d'abord. C'est souvent comme ça d'ailleurs, j'ai remarqué. On commence souvent... Oh, écoutez la musique là. Attendez, je finis ce que je disais. Je disais qu'on commence souvent dans les dans des endroits un peu écartés du vrai niveau et après on y va. Mais là, écoutez cette musique. Aïe! Je sais pas si c'est la même que l'autre. Mais en tout cas, elle reste hyper épique. Ouais, mais je suis trop con, moi. En fait, je devais appuyer sur le bouton pour les ralentir et j'aurais pu passer. Oh là 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 là. Mais quel noob je fais-je? Voilà. Allez, c'est parti! Allez, ouf. Alors, on a des tapis roulants en bois, on a des espèces de... Ça y est, dans Super Mario Sunshine, ça s'appelle comment? Oh, je sais plus. Qui nous balance des bulles d'eau. Oula! Ah ouais, c'est bien ça, ça nous ralentit. Enfin, pas nous. Non, non, ça ralentit... Ça ralentit tout sauf nous. Et tout est en noir et blanc sauf nous. Oulala, mais je suis... Ah, c'est bon, on peut s'en libérer au moins. Alors, par ici. On actionne ça. Putain. Ah ouais, c'est dur d'avancer. Ah, c'est sympa, hein. Franchement, avec la musique comme ça... Ah, c'est trop bon, hein. Peut-être que je me grouille, là. Voilà. Ah. J'aimais bien l'architecture du niveau précédent. J'aime encore aussi beaucoup celui-ci. Hein. Oula, c'est quoi ça? Allez, vite, vite, vite. Voilà. Alors, on va essayer de monter avec un saut mural. Oh putain! Ah non, on peut pas? On peut pas. Hein. Ah si. Voilà, comme ça, on grille quelques étapes. Voilà. Oh mince. Ah si, on peut monter ici, là. Voilà. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça va vraiment vite, hein. Je vais quand même voir ce qu'il y a ici. Ouais, c'est juste un machin comme ça pour qu'après on rebondisse dessus. Je passe la danse aux étoiles là. Ah merde. Allez. Ah bah j'ai bien fait d'y aller, je pense, parce que... Non, 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 non. Ah non. Non. Oh putain. Oh. Bon, c'est pas grave, je suis pas mort. Il me reste qu'un seul fragment. Mais c'est pas grave, on va continuer comme ça, comme si de rien n'était. Ah, mais c'est dommage quand même. Je perds du temps inutilement. Oh punaise. Voilà. Ouf. Allez, c'est reparti. Voilà. Non? Ah mince. Pas vrai, j'arriverai pas à monter, hein. Allez, là. Voilà. On va aller là-dedans.
Certainement je pourrais récupérer des pièces. Oh oui, oui, oh bah oui, bah là je vais pouvoir. Attention, c'est parti. Ça paraît pas, mais c'est extra chaud, hein. Donc là, je me concentre. Ça sert à rien, parce que ça sert à avoir des vies, mais... Ouf. Oh putain, alors ça, ça va être horrible. Oui. Oh là là. Ah non, c'est pas des vies, c'est des fragments. Oh, belle surprise. Ah, je suis content d'avoir réussi, tiens. Ouais, alors tout à l'heure j'ai ralenti le temps et dès qu'il s'est remis en place, j'ai vu à quel point les blocs en fait allaient très 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 vite. Alors là, on va vite monter ici, hop. Ok, ok, on va faire ça, on va essayer d'aller de palier en palier. Merde. Allez. Là, là, vite, hop, c'est bon, c'est parfait. Et maintenant... Oh mince, 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 mince. Faut que je les envoie contre la... Contre la barrière électrifiée. Mais merde. Voilà. Et lui... Oh non. Je fais comment maintenant? Ah ouf. Il y en a d'autres qui arrivent. Heureusement. Allez, on la prend cette étoile. Oh non. Allez, c'est bon, je l'ai là. Non. Bon d'accord, ok. Il faut la voir... Faut l'avoir ici, là, vraiment là. Allez, viens là, hop, et c'est bon. Ah, c'est censé être plus dur, mais je me démerde quand même bien. Je dis pas que c'est pas dur, hein. Non, 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 c'est... Il y a un bon niveau, c'est très plaisant à faire. De la bonne plateforme comme on aime. Pour ça, il n'y a pas de problème. C'est parfait, hein. Ah, je suis bien content, hein. Je suis même pressé de continuer de voir les prochains niveaux, en fait, voir la difficulté qu'ils nous proposent. Ça risque d'être vraiment, vraiment sympa à jouer, hein. Ah tiens, j'ai une étoile farceuse que j'avais pas vue. Bon, 17 minutes. Oh, on a le temps de se la faire, non? Allez hop. On va aller sur la plage astrale et on va se faire une comète farceuse. Allez, cette vidéo, c'est un petit peu un mélange de tout ce que j'ai eu l'habitude de vous montrer. Et en plus, c'est sur un niveau que je vous ai pas montré, donc c'est parfait. Alors, c'est un niveau très très beau, avec de l'eau et tout ça, les nuages autour, qui est assez grand. En fait, c'est pas un niveau qu'on parcourt, c'est un niveau... où il y a pas mal de choses à faire. Moi, je sais qu'il me semblait c'était récupérer des étoiles grises qui étaient disséminées dans tout le niveau. Bronzette et pièces violettes. Ah bah là, c'est les pièces violettes. D'accord. Bon, ça va pas être très très passionnant à part s'il y a du temps. Mais ça m'étonnerait. Surtout bronzette, hein. Quand on fait une bronzette, c'est qu'on a le temps. Ah non. Il n'y a pas le temps, donc on va pas pouvoir bronzer. Allez, c'est parti. Ramassage de pièces violettes. Sauf qu'en fait, je m'en fous si j'en loupe en fait. Je crois que je peux m'autoriser d'en louper. Là, par contre, j'en loupe pas mal quand même, hein. Mais là, j'aimerais bien avoir un chrono là. Il y en a où des chronos? Oui, je sais que j'ai plus de temps. Mais les chronos, ils sont où? Aïe aïe aïe. Ah, il y a un chrono. Bah non. Mais attendez. Alors. Soit il n'y a pas de chrono et il faut essayer de les avoir dans le temps imparti. Soit il y en a et je sais pas où ils sont. Mais à mon avis, il faut les avoir sans... Ouais, il faut les avoir tous d'un coup. En 30 secondes, quoi, il faut les avoir. Bon, bah c'est parti. Ah bah du coup, moi qui pensais que ça allait pas être rythmé, ça allait être chiant. Eh ben non. Hop, là on saute, c'est parfait. Ah, je suis pas mal, là je suis pas mal. Très bien même. 10 secondes. Ça va être chaud là. Allez, allez. Merde, 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 merde. Oui. Ouh. Oh, ça va, ça va. Bien, bien, bien. Wouhou. Allez, c'était beau ça. À refaire.
Hop là. Bon bah c'est pas grave, je l'ai pas eu. Même pas le temps d'apprécier le niveau, hein. Là on l'a fait à donf. Alors s'il y a une autre étoile farceuse qui se débloque, on va la faire, sinon on s'arrête là. Attention. Sauvegarder, rien du tout. Bon bah on va un peu traîner sur le on appelle ça, sur le vaisseau. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir faire de spécial? On peut pas écraser ces trucs. Alors oui, au fur et à mesure de l'aventure, hein, il y a des personnages qui se rajoutent. Ce qui est bien sympa, puisque au bout d'un moment, le vaisseau est quand même pas mal peuplé. Hein. Et qu'est-ce que je vais avoir? Une vie! L'item en excellence qui ne sert à rien dans ces Super Mario Galaxy. Je ne cesse de le répéter. Allez, on va aller tenter notre chance. 30 seulement! Allez! Eh ben, je te donne mes 30. De toute façon, j'en ai plein. J'en ai 4600. Et je doute que je doive les utiliser pour autre chose. À part pour débloquer certains niveaux, parfois. Mais comme je m'approche de la fin. Allez, c'est parti. Les vies qui servent à rien. Oui, j'ai eu les vies qui servent à rien. Wouhou! Et je sais pas si c'est fait exprès. Ou si j'ai de la chance. Mais là, ben, je les aurais même pas. Mais la plupart du temps, même dans une vidéo, je l'avais déjà fait, ça. J'avais toujours des vies. Mais on va réessayer. Je pense qu'ils doivent se dire, ah, pour les gamins qui jouent, qui n'ont pas assez de vies, il faut qu'il y ait plus de probabilité que ça tombe sur les vies. Donc on va faire comme ça. On va voir, attention. Oh, une vie. Bon, allez, pour vérifier la probabilité, nous allons réessayer une dernière fois. Allez, c'est parti. Allez, moi je parie sur... si j'ai un fragment, ça voudrait dire qu'on pourrait en conclure que c'est la même probabilité pour tous les symboles. Attention! Eh ben non! Bon, bien sûr, bien sûr. Je vais pas baser mes statistiques sur seulement 3 lancers. Mais... Si jamais j'avais envie de faire mon con et de baser là-dessus, eh bien je dirais qu'il y a plus de probabilité donc d'avoir des vies... Et que c'est truqué! Ah, c'est truqué, c'est pas bien! Bon, allez, on se calme. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Si, on va aller emmerder Yoshi un peu. On va aller monter au plus haut, là. Voilà. Oh, c'est beau! Allez, mange plein de fruits, attention! C'est parti, gob, 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 gob! Allez, gob, 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 gob! Voilà. Il aime bien les fruits Yoshi, hein. Oui, il aime bien, hein. Voilà. Oh, c'est beau. Bon, on s'arrête ici? Oui. Bon, allez, on n'est pas dans le même monde que tout à l'heure, là, parce qu'on est revenu pour une comète farceuse, mais c'est pas grave. Allez, eh bien, écoutez, voilà, hein. Qu'est-ce que j'ai à vous dire de plus à part d'espérer que vous avez bien aimé ça, hein? C'était des bons petits niveaux. Et puis que je vous reverrai lors de la prochaine vidéo, hein? Allez, retournez bien à vos occupations. Ciao à tous.